Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation de la fonction « et » avec la fonction « si ». Donc ici, nous avons 6 candidats qui ont eu des résultats à un examen en mathématiques et en français. Et donc, pour être admis à cet examen, il faut qu'ils aient plus de 10 en mathématiques et en français. Donc, nous allons ici faire afficher le résultat à leur examen. Donc, nous commençons par entrer une formule avec le signe égal. Nous allons entrer une fonction « si ». Donc, dans cette fonction « si », nous devons d'abord mettre le test qui est indiqué ici. Donc ce test, il faut qu'ils aient une note supérieure ou égale à 10 en mathématiques et en français. Donc, nous allons utiliser une deuxième fonction, qui est la fonction et. Donc, cette fonction et, première valeur qui est dans la cellule ici, B2, qui doit être supérieure ou égale à 10, on sépare par un point virgule. Deuxième valeur ici qui est située dans la cellule C2, qui doit être elle aussi supérieure ou égale à 10. Donc maintenant, on voit ici qu'on a les parenthèses qui concernent la fonction et. On va sortir de ces parenthèses pour revenir dans notre fonction si. On sépare par un point virgule. Donc si le test est vrai, nous allons dire que le candidat est admis. On resépare par un point virgule. Et si le test est faux, nous allons dire que le candidat est refusé. Et on valide. Donc notre premier candidat est admis. On va étirer cette formule maintenant aux autres candidats. Donc ce qui va nous décaler nos cellules B2 et C2 en B3 et C3, etc. Et on voit ici que le candidat 2 est bien refusé. Il a eu 8 en maths, mais 12 en français. Le candidat 3 également. Le candidat 4 est bien admis. Le candidat 5 est admis. Et le candidat 6 est refusé. Donc maintenant, re-regardons bien notre formule en double-cliquant ici. Donc nous avions une fonction si. La condition de cette fonction si est une fonction et. Donc il faut que la cellule B2 et la cellule C2 soient supérieures ou égales à 10. Dans ce cas-là, le candidat est admis. Sinon, il est refusé.